C'est comme si on découvrait vraiment le spectacle. Je trouve que pendant les répétitions, on avait une notion du spectacle qui était complètement différente de ce soir, parce que le public en plus était très réactif. Et quelque chose qui en répétition pouvait sembler un peu statistique, là tout d'un coup c'était vivant, il y avait des réactions par rapport aux réponses et tout ça, c'était... Moi j'ai trouvé ça super. Ben moi je m'éclate et je crois qu'on est 100 sur scène à s'éclater, même 110 parce qu'il y a les musiciens avec nous. Et nous on s'est éclaté, donc je crois que les gens qui nous ont regardés sont éclatés aussi. On est tous ensemble, on est tous ouverts, on est obligé de prendre position. En fait tout est noir ou blanc. On ne peut pas dire oui, mais pas toujours. Donc on doit vraiment prendre position. Et là, on se rend compte en fait qui on est. Là, c'est époustouflant. La découverte de Paris, de ses opinions, des gens, de nos voisins, des gens qui sont complètement à l'opposé de nous. Je pensais que je savais qui j'étais. Et là, voilà, je découvre des choses pour moi. Je me trouve en train de bouger d'un côté ou de l'autre. Et je dis, ah bah oui, et bah voilà. Et je pense comme ça. Donc c'est super, on se laisse entraîner par la spontanéité. Puis voilà, donc c'est une belle expérience humaine. Tous les potes, tous les voisins qui étaient là, tous les gens nous ont dit, ça fait un effet miroir, nous aussi on se pose la question, on aurait répondu quoi? Voilà, enfin bref, venez. 3, 2, 1... Coupe.